Bonjour, ce court clip a pour but de vous montrer comment sélectionner une police de caractère par défaut. Ben, je dis une police, en fait, c'est un style de caractère là, qui contient à la fois la police, la grosseur et la couleur. Pour ce faire, dans Notebook, vous devez sélectionner l'outil texte pour ensuite vous assurer que vous avez sélectionné l'un des styles, une des tuiles, un des boutons. Par exemple, si je choisis celui-ci par défaut. Prenons le premier en haut à gauche, c'est celui par défaut qui est sélectionné dans une page là, quand je me mets à écrire. Alors, présentement, Century Gothic 24 en vert. Si j'appuie sur l'onglet du format et que je modifie ça pour avoir ça en noir, par exemple, ou peu importe la police, la grosseur ou quoi que ce soit, il faut tout simplement appuyer sur Enregistrer les propriétés de l'outil pour que ces choix-là soient maintenant les choix par défaut. Et je répète que si vous avez modifié la tuile qui est dans le coin supérieur gauche, ben c'est à partir de maintenant ces choix qui seront pris en compte là, lorsque vous allez commencer à écrire par défaut. Donc, ce texte-ci est bien en Century Gothic 24 et de couleur noire parce que c'est ce que j'avais choisi. Alors, c'est comme ça que vous pouvez, avec Notebook 15, modifier la police de caractère par défaut qui est utilisée lorsque vous ouvrez de nouvelles pages. Merci, bonne journée.